On va verser la solde. J'ai oublié de mettre l'âge de lancer. R2, on va le mettre à toi, dégâts critiques plus capacité lancée. Voilà, parfait. Les gardes, bon, j'ai un peu de charbon. Allez, on y va en ville. Donc on a dit récupérer la prime, récupérer les armes. Je sais plus, est-ce que j'ai une garde? Alors là, je vais lancer, c'est con parce que je viens d'en récupérer une, mais bon, ça me donnerait des points de connaissance, même si j'en ai pas besoin tout de suite. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de forger un truc pour forge? Oui. Voilà, voilà. Un truc, là, j'en profite pour vendre, on n'a pas vraiment besoin en fait, hein, des babioles, tout ça là. Hop. Ah, en fait, ça va, on a des thunes, non? On a des thunes. Il y a rien d'autre là, non? Pareil sur l'inventaire, ils vont dans les prochaines mises à jour, hein, là c'est toujours en early access, mais il va y avoir des boutons pour ranger automatiquement l'inventaire que ça paraisse bien quoi. Que ça soit rangé par type, par quoi ça sert, les armes, etc. Ça dans les développements à venir, vous inquiétez pas. Alors, on va aller récupérer la thune. Peut-être recruter un mec là quand même, hein, parce que finalement. On a ce qu'il faut, voici votre récompense. Merci. Chasseur amateur. Ouais. Ah, ils sont droits, hein. Ah, un épéiste. Alors, ça, un épéiste, je pense que je vais le rajouter parce que j'aime beaucoup l'épéiste. Il est quoi? Glorieux. Chance de générer un point de bravoure en plus à la fin du tour. Très fort. Et toi? Un truand. Bénévole. Salaire réduit de moitié, c'est bien ça aussi. C'est un lancier, je suis pas fan des lanciers. On va recruter lui. Roglin. Allez. Qu'il a déjà gagné un niveau, c'est parfait. Protecteur. L'unité de tous ses alliés dans la zone gagne protection pendant 2 tours. Protection, dommage subi de 30%. Combattant, infligez cette personne à la civilisation. Garde réduite à 0. Pas mal en vrai. Et maître d'armes inflige 2 fois 8 dégâts à toute l'unité dans la zone utilisable après 2 attaques. Extrêmement fort. Je vais prendre ça. Force plus 1, constitution plus 1, constitution plus 1 avec force en plus, ouais. On va prendre ça, du mouvement plus 2. Ouais, il va pas le mouvement. Ok, on va le renommer. Bah, puisque t'es là, Okami, c'est pour toi. Hop, voilà. Et en plus, les compagnons aiment bien le surnom, incroyable. Vraiment de la chance, hein. Allez, un petit métier quand même. On va te mettre de la force en plus, je pense, ça sera mieux. Il n'y a que forgeron. On va te mettre forgeron, même si tu ne forgeras pas beaucoup. Et du coup, faudrait faire un petit vêtement. On va retourner à faire un tour à la forge. Parce qu'une armure à 5, c'est quand même pas ouf. Je peux pas, j'ai pas de cuir. Voilà, désolé. Ah, peut-être que si, il y a peut-être l'archer qui a un truc un peu mieux. Ouais, voilà. On va faire ça. Désolé, Squash. Une fois à poil. Et il va bientôt level up d'ailleurs, lui. Excellent. Alors. Carte du monde. Par là, dans la montagne. Et bah on va y aller, hein. Let's go. Bon après, pourquoi pas. Je veux dire, c'est pas, y a rien de, y a pas besoin de crier au loup. C'est facile. désolé. M'a échappé. Alors, l'archer il est bien là, toi t'es pas mal ici, le vilco t'es bien là-haut, R2 on va te mettre par là, oh nul, allez,
charge des 4 mecs derrière. C'est lui qui commence. Et lui. Donc on va aller s'en occuper, hein. Tout simplement. Je peux encore changer. C'est mieux comme ça. On va faire ça. Je vais pas le tuer. Incroyable. Vraiment. Terrible. Terrible ce qui se passe. Allez. Ah, critique. Oui, par contre, ils passent tous en fureur maintenant. Ça, j'ai oublié ça avec les soins. Ils passent tous en fureur. C'est pas grave. Ils vont pas me toucher. Donc, fureur, on rappelle, hein, c'est au moins de 50% leurs dégâts. Putain. Ensuite, c'est à lui. Alors. Oh, ah, sinon je peux faire ça. Tac. Comme je disais, moi je l'ai testé en alpha, en bêta, et je, là je prends toujours bah, autant de plaisir à le redécouvrir maintenant. Tu vois. Donc, j'espère que ce jeu plaît et plaira. Bim. Bon, il sera pas mort, mais. Des cochons qui courent quand même, c'est incroyable. Tac tac tac, c'est à qui après? Lui, lui, lui. Lui il me touche ou pas? Ah oui, il me touche. Est-ce qu'on capture? Ouais, capture un sanglier, est-ce que c'est intelligent? Je suis pas sûr. On va faire ça pour avoir la fureur. Les spots Sinac font qu'il sera délivré. Sinac le frimeur. Ah bah voilà. Merci. Bonne bravoure dépensée en combat x10. Sinac le frimeur. Voilà. C'est moi. C'est réel. Et il manque un point de mouvement, évidemment. Dommage, hein. Vas-y, fume. Parfait. Et là, si tu t'émerdes bien. D'ailleurs, j'ai une pensée, j'ai quitté la ville, mais j'ai oublié de racheter de la bouffe. On discute, mais. Ah bon, du coup, je vais avoir de la bouffe. Allez, on va aller voir par là si on y est. Oh, on enchaîne. Tout est un peu lent. Bon. De toute façon, on est à côté de la ville, on peut attendre. Ça serait bien quand même qu'ils avancent un peu, donc je vais pas buter le premier. Tant pis.
grosse connerie. Celui-là, ok. Non, je vais quand même péter celui-là. Toute façon. Et ouais, c'est dommage. Toi, t'es un peu grand aussi. Mais je pourrais l'avoir. En fait, je vais faire 5 de dégâts avant l'avant. 5 de dégâts. Ouais, passe. Si je fais ça, ouais. On va faire ça. Incroyable. Même si je me mets là. Ça, c'est incroyable. C'est là qu'on va voir que le truand. Pardon, excusez-moi, c'était pas voulu monsieur. Ah bon, bah vas-y, où t'en es? Voilà, truand c'est violent, c'est ce que je voulais dire, j'avais pas fini ma phrase. Ça confirme, ce one shot, j'avoue, je l'avais pas prévu. À la base, je voulais juste l'affaiblir un peu pour que mon épéiste, mon maître d'armes, aille l'achever. Bon, ça s'est mieux passé que prévu. Alors, est-ce que je gagne un niveau? Parfait. Alors, flèche de recul 4-9, la repousse de 2 mètres, elle lui applique ralentissement. Ça peut être bien quand il y a du 1v1 pour le coup, parce que du coup, forcément, il n'arrivera jamais à l'attraper. Dresseur à l'attaque, tous les animaux adjacents à la cible l'attaque avec une attaque d'opportunité, donc ça c'est bien si on a des animaux dans la troupe. C'est pas vraiment mon cas. Et tirailleur, j'aime bien aussi, cible une zone, effectue 3 attaques d'opportunité contre les 3 premiers ennemis qui traversent la zone. C'est bien, mais ça implique qu'il soit pas trop trop loin quand même de base. Et c'est un ciblage, hein, donc ça reste tant qu'on n'a pas rejoué avec. Il y a le ralentissement ici. Il y a le ralentissement ici. Je pense que je vais prendre ça quand même. Je pense que je vais prendre ça. Ça donne quoi ça? Il n'y a pas de. Ah non. D'accord, il n'y a pas de points avec eux, de bonus. Je vais quand même prendre ça. Même si j'aime beaucoup tirailleur, je pense que le prochain archer, je mettrai un tirailleur. Volonté plus 2 et plus 1 en critique. Ou un peu plus de dex. Ouais. Je vais prendre la volonté. Parce que c'est vrai que le critique, c'est quand même pas mal pour les archers. Ça peut être des façons de le critique, on l'a bien vu, c'est quand même pas mal tout court. Hein. R2, et eh bah ben, écoute, je pense que tu vas suivre la voie de Sinac, et tu vas passer égorgeur aussi. Hein. Je suis en train de me dire stratège, parce que Vicote, à chaque fois qu'il s'engage, il regagne un point de bravoure, par exemple. Donc, si on fait un stratège avec Vilko, ça veut dire qu'il se désengage, l'autre fait une attaque, il fait une attaque d'opportunité. Ça pourrait être bien en vrai, hein. Ça pourrait être très fort, ça change qu'après les mecs vont se réengager sur lui, donc on va regagner un point de bravoure. Donc en fait cette capacité elle est gratos quelque part. Force est une chose à s'engager, ici juste une tête de poursuite et la remise. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Bon je vais quand même prendre le DPS, mais en vrai ça peut être intéressant ça, un gameplay. Du critique plus 2, ouais, bah, je pense qu'on va pouvoir partir là-dessus, ou alors de la texte. Oh, on va faire du critique. Tout ici sur le critique. Et niveau 3 aussi, Sinac le Frimeur, bien sûr. Ah oui, j'avais pas mis les points tout à l'heure, je suis con. Mouvement plus 2. Oh, c'est toujours bon à prendre. Ok, alors. J'ai pris la bouffe, hein. Oui, j'ai pris la bouffe quand même. Ok. Bon, bah, comme on est à côté. Non, je pense que le groupe là il est pas mal. En vrai, là, ce qu'il faudrait peut-être maintenant, c'est un autre archer. Ou alors un.
Presque un truand encore en plus. Mais je crois que le truand, on va en avoir un. On aura un bientôt normalement dans le jeu, donc c'est pas trop la peine d'aller chercher un truand tout de suite. Il y a des petits réfugiés qui passent à côté de moi sans que je les attaque là, c'est vrai ça? Vraiment? Allez. Oh. Qu'est-ce que vous avez? Du sel et des matériaux bruts. Mais vraiment? Vous êtes sûr? Bon, alors apparemment il y a un petit cheat où on peut vendre tout ton matos aux réfugiés, puis après tu les attaques et tu récupères tout. C'est pas faux, hein? C'est pas mal, hein? J'avais jamais pensé, mais bon, c'est fourbe. C'est très malin. Mais bon, on va pas faire ça. On va respecter le jeu. On va faire ça. 5 civils? Ouais. On va les débrouiller, on s'en fâche pas. Et en plus, tu attaques les civils vilains. Bah oui, parce que je joue hors la loi à la base. Donc voilà. J'ai dit qu'on faisait des bandits. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas regardé qu'il faut que je vous montre après. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, c'est les exploits ou les voies entre guillemets. À suivre, j'ai pas du tout pensé à ça, je le fais juste après. Alors, un civil ici qui va attaquer, qu'est-ce qu'il a? Ouais, il va forcément taper quelqu'un, il va forcément taper quelqu'un. Bon, bah c'est pas grave, on va le taper avant. Hein. Donc les trois à droite jouent en premier. Et bah d'accord, très bien. Si vous voulez jouer en premier, vous jouez en premier, vous allez mourir quoi. Compliqué, hein. Tac tac tac, Vico il est là, ouais. C'est qui après? C'est lui. On va faire l'inverse comme ça. Et après c'est lui. On glisse sur le côté, voilà. C'est parti, Vico. Bim. Il va même pas me toucher. Il va même pas me toucher. Tue. Allez. Voilà. Prends ça dans les dents. Bah, tu peux être à côté de lui. Hein. Pourra pas l'engager, mais c'est pas grave. Alors après, c'est à qui? Mais justement, ça tombe bien. On est bien fait. Un civil. Est-ce que je garderai pas ce point quand même? Ouais. Hop. Encercler. Bam, 21, ouais. Désolé. On va l'achever pour passer en fureur. Ok. Est-ce qu'on retenterait pas un petit couteau là? Je garde le point pour plus tard. Là. Ok. Donc, je vais l'archer, je crois que tu vas pas faire grand chose ce tour-ci. Parfait. Et ouais, c'est terrible. Et on passe en fureur. Il y a un piège où je dis rien. Je vois pas les pièges loups, faut que je fasse un peu plus attention. Allez. Bon bah l'archer était un peu pas que j'avais trouvé un objet qui faisait augmenter le déplacement dans une autre partie. Après je trouve c'est pas mal. Ils ont des torches, on va éviter de se faire enflammer la gueule.
t'es apporté, mais t'es un peu loin quand même. Ouais, on va caler un peu comme ça. On va faire ça. Voilà, beaucoup mieux. Bim. Et il a eu fureur. Bim. Il est pas mort, mais tant pis. Voilà. Mission parfait. Tabasser le dos. Hop. Du coup, il peut faire sa double attaque. 28. Ouais. En vrai, je vais le faire parce que de toute façon, ces points-là, ils seront perdus à la fin de la bataille. Donc... Voilà pourquoi j'aime beaucoup les pénistes. Parce que c'est un carnage. L'attaque qui fait très mal. Est-ce que tu vas réussir à le toucher? Oui, incroyable. 11-17. Et je l'ai mal placé. Allez.